Le coach Genesio est vraiment humain et est très proche de ses joueurs. La preuve, vous avez vu, pendant Noël, il a fait un cadeau aux joueurs qui ont des enfants. Et aussi, le coach est vraiment, vraiment proche de nous. Il nous parle, il essaye de savoir si tout va bien aussi dans nos familles. Il essaye vraiment d'être, je dirais, un père. Je lui ai fait le reproche que des fois sur le banc, j'aimerais plus qu'il encourage les joueurs au lieu de faire des gestes qui va peut-être mettre les joueurs sous l'eau, qui va se dire « Ah merde, le coach est fâché » et tout. Il a montré Pep, il a montré l'entraîneur de l'Atlético Madrid, il a montré aussi l'entraîneur de Liverpool. Il m'a dit à Marie, comparé à ces entraîneurs-là, je suis vraiment loin d'eux. Un mot pour définir Flavien Teu, je dirais boudeur. Flavien aime beaucoup le ballon. Quand il décroche ou quand il fait un appel ou quand il est seul, quand tu ne lui mets pas le ballon, bah, il te fait un regard et après, la deuxième fois, si tu ne le mets pas, après, il boude. Steph, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est impactant, ça impacte le groupe, ça change quelque chose. C'est un grand frère, c'est un vrai plus pour nous. Aujourd'hui, la solidarité qu'il nous amène, son expérience, voilà, c'est un vrai plus pour nous, oui. Je l'appelle aux îles Croates. Il est adorable, le gros, et c'est quelqu'un de très bien. Il est bien dans notre collectif et il nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de touches techniques et beaucoup de bonheur dans la vie de tous les jours. Et c'est quelqu'un qu'il est apprécié par tous ses coéquipiers. C'est un vrai bon gars, un vrai bon joueur. La qualité principale d'Amine Gouri, pour moi, ce sera la finesse technique. Techniquement, il est bon, il arrive à faire les bons choix. Et ouais, pour moi, ça sera la qualité, ouais, la finesse technique. Qu'est-ce qu'Arnaud Kalimodia et qu'Amine n'a pas? La prise des profondeurs et plus tuer. Bourizot, bien vu par Amari Traoré. Arnaud Kalimodia! Kali, c'est plus un tueur qu'Amine. Quand j'étais en écoute avec Jérémy Doku, c'est la guerre. Ah ouais, parce que je ne veux pas qu'il me passe et lui aussi ne veut pas que je récupère le ballon. Mais c'est un vrai duel, que ce soit Jérémy ou Kamal, c'est très très difficile de défendre contre ces deux joueurs-là. Mais c'est très bien, ça me fait progresser aussi, progresser dans l'attaque de 1 contre 1. Mais c'est franchement, ouais, c'est pas des duels faciles. Mais c'est. Parce qu'après, il y a les chambrages, ils chambent beaucoup. Ah, t'as pas pris mon ballon, j'étais dribblé, j'étais fait ci. Bon. Donc, c'est un beau duel, ouais. C'est comme un match. Quand à l'entraînement, Jérémy ou Kamal, c'est un match. Faut pas perdre le duel. Bon, je suis à Rennes. Je suis rennais et je serai en fin de contrat. Après, pour l'instant, j'ai rien décidé. Je parlerai avec ma famille. Après, on verra. Pour l'instant, je suis là.